Yo tout le monde, c'est Seriously, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, on se retrouve pour le deuxième épisode de la carrière pro cycliste. Du coup, j'espère que vous allez bien, moi ça va en tout cas. Du coup, voilà, on part tout de suite pour le Grand Prix de Marseille. Et après on enchaînera avec une ou deux étapes de l'étoile de Bézège. Bienvenue. Le relief est plutôt vallonné. Ça risque d'être une course très tactique. Et ben voilà, on se retrouve avec un plus 2, plutôt sympa. Évidemment, on va faire l'objectif du DS. Allez hop, on est parti pour l'objectif du DS. On se retrouve quand l'objectif est rempli. Sorti du Voilà. peloton comme une balle. On peut se relever de l'effort. On a fait l'objectif DF. Voilà. Vous pouvez le remarquer, il y a quand même pas mal de gros. Hein. Vincenzo Nibali. J'ai vu du Godu. J'ai vu du Pizzagan. S'agite à l'avant. J'ai vu du Van Der Poel. Honnêtement, on n'a rien du tout. On n'a rien à jouer sur cette étape. Mais vraiment rien du tout. Je vais à nouveau relayer après. J'irai relayer dans la montée. Il y a la montée là, je relayerai dans la descente, ça fera toujours des points en plus. Voilà. Du coup, on se retrouve après pour la suite de l'étape. Ouais. Nous, on va pas tarder à se faire lâcher non plus. On va pas tarder non plus à lâcher. C'est Encore génial. 10 km à parcourir. Génial parce qu'on va, comme par hasard, on se retrouve en situation de peine pile juste avant la bascule. C'est incroyable ça. Du coup, j'espère que la bascule, on va pouvoir la prendre quand même. Putain, Philipsen, par contre, c'est vrai que c'est chaud. Philipsen, c'est un bon coureur. Il a bien été distancé, quoi. Philipsen et moi, on n'a pas le même level. Hein, donc, vraiment, c'est chaud pour lui le fait qu'il soit fait distance. Allez, reprenons du jus. On est à 9 km de l'arrivée, les autres sont à Nous sommes à 5 km de 5 km. l'arrivée. Allez, bientôt sprint final. Ouais, il me lâche, je sais pas pourquoi ils ont envie de sprinter maintenant. Attention, Van Der Poel, Van Der Poel, victoire de Van Der Poel devant David Sur Godu. l'emballage final, il a mis tout le monde d'accord. Voilà, C'est une victoire de victoire Van Der Poel. amplement méritée. La course est jouée, mais les attardés du jour parviennent seulement maintenant sur la Voilà. ligne d'arrivée. Voilà. Allez, du coup. Oh, mais c'est un délire! Mais d'où ils ont tous cette force? Mais voilà! Mais je viens faire un résultat dégueulasse! 45ème! Mais nique ta mère! Je veux faire une 30ème place! Bah non, je fais 45ème! Bah oui, bah oui! Oh, ça me saoule! Ça me saoule, ça me saoule! Mais ça me saoule! 17ème, l'autre leader, ouais. C'est vraiment bof bof! Hein. Hey, Victor, et du coup, oui. Notre équipe elle est 8ème. Victoire de la Trek au niveau des équipes. Voilà. Du coup, résultat du GP de Marseille. On prend 10 points. On prend les 10 points et on va prendre le passage de level grâce à moi. On va passer level 3. Allez, changement de jour.
Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Voilà. 4, 70, 67, 68, 69. Ouais, c'est intéressant. Ou alors, est-ce que je fais cette fameuse évolution de potentiel? Vraiment, je suis bien tenté de la faire. Hein. Je suis bien tenté de la faire, mais non, je pense qu'en vrai, je vais me rester sur un grimpeur. Voilà. On aura une meilleure pointe d'Axel, ça sera un peu mieux. Un meilleur physique, puis. Du coup, ouais, je pense qu'on va se faire que deux étapes de baisage. Et qu'on le finira dans les vidéos d'après. C'est français, putain, je pensais pas que c'était français l'état de baisage. Voilà. Les maillots plutôt stylés, hein. Franchement, plutôt beau les maillots. Ouais, c'est que du plein, hein. C'est que du plein. Hein. Allez, on est parti. On se retrouve au début de la course. Mesdames et messieurs, le relief de la course est plat. Le peloton risque de rouler vite. Et hop, nous voilà, équipiers. 1 plus 1. Ça va, plus 1, ça va. Ça va, ça va. Ah ouais, par contre, on est tout au fond du peloton, ça c'est très chiant. Parce que l'objectif c'est de rouler. On a combien de kilomètres? Ouais, 25 km pour rouler. Allez. Voilà, notre objectif c'est de revenir à l'avant. Et je vous retrouve quand on a fini l'objectif du DS. Et après, on se retrouve à la fin parce qu'il n'y aura rien d'intéressant. Il n'y aura clairement rien d'intéressant. Est vraiment soutenu. Il va certainement y avoir des dégâts. Les coureurs sont maintenant dans un passage à plus de 10%. Il est parti, tout seul. Et nous voilà dans les 10 derniers kilomètres. Les forts curseurs, voilà. Les 10 derniers kilomètres. Le peloton vient de reprendre le groupe d'échappée. Voilà. On va essayer d'aller faire le petit résultat, hein, évidemment. J'y crois moyen, mais au moins si on peut faire un bon petit résultat, ça me dérange pas. Hop, on va augmenter à 85. Évidemment, moi je pourrais sprinter qu'après eux parce que j'ai pas une mauvaise, j'ai pas un mauvais sprint, mais j'ai pas beaucoup d'endurance, donc ça fait que c'est un peu plus chiant. C'est un peu plus chiant pour sprinter. Je vais pas tenir très très longtemps. Allez, on est parti. Oh, bah bien sûr, je clique à côté. L'équipe a payé et le sprinter ramène la victoire. Ah ouais, j'ai pas du tout sprinté là du coup. Retardataires Ah, je suis continuent à 26e. arriver. J'ai pas pu sprinter, j'ai cliqué à côté et ça me saoule. Bon, du coup, victoire de Norman Batra, de la Israël. Bah, du coup, oui, il prend le général. Ludovic Roubaix avec le maillot de grimpeur. On est 5e avec 8 points. Norman Batra évidemment, Norman Batra du coup, et le total est 8e. Voilà, première étape de baisage, voilà, résultat, on prend 16 points,
Allez, on va être parti pour la deuxième étape. Cette fois, je vais essayer de sprinter, par contre, ce serait plutôt sympa. Parce que ouais, j'ai pas sprinté, du coup, c'est chiant. Allez, c'est parti. On se retrouve tout de suite pour l'étape. Bien, bonjour à vous. Le relief de la course est plat. Le peloton risque de rouler vite. C'est sous un beau soleil que va se dérouler la course. Ah, on peut échapper, hein. Échapper, échapper, hein. Si l'objectif du DS, bah go, hein. Franchement, moi, ça me va, hein, partir en échappée. Par contre, ouais, mon con, vas-y, quoi. Voilà. Voilà un pari audacieux. Attaque à l'avant, mais que c'est loin de l'arrivée. Allez, hein, franchement. Visiblement, l'allure ne Moi, je convient pas pars, à hein. certains coureurs qui sont en train de s'échapper en tête du peloton. Voilà, hop. On va relayer, hein. Puis voilà, hein. Allez hop, c'est parti. Oh non, mais nique ta mère, le peloton qui commence à rouler sur moi. Je suis rien du tout, je suis rien. Vas-y, casse les couilles. Attaque dans le groupe de tête. Allez, laisse-moi partir, peloton. Oui, peloton, c'est bien, c'est très bien. Ouais, par contre, je sais pas pourquoi je prends pas les relais. Il va aller peut-être un peu fort. Allez. Bon, je me retrouve au premier pointage du coup. Voilà. 3 km, Bacarte, Bidart, Déby. Ils sont avec moi. Voilà. Si on chope ce point, si on chope les 10 points, on est assuré d'avoir le maillot sur les épaules. Parce que On le nous pointage à informe 4, par même si on radio chope pas qu'un de points, coureur c'est vient pas d'être grave. victime d'une crevaison. Il a 16 points le premier. Allez, c'est parti. On lance. Allez. Mais heureusement, ça va être plus fort, hein, je pense, hein. Attention, une attaque dans le groupe de Ça va être tête. plus fort. Ouais, c'est largement plus fort. Ouais. Large plus fort. Dommage. Merde. Voilà, on arrive ici. Il va falloir aller chercher les 5 points là, vraiment. Ou alors les 3 points, un minimum, au moins pour s'emparer du maillot. Mais voilà. Allez, on prie pour aller chercher ces points. Et après, sinon, stratégie de course, on est à 73 km. Et on est à 4 minutes 40, 3 minutes 40. C'est sur de tels pourcentages que les plus costauds peuvent creuser un écart. Ouais, c'est un beau pourcentage, c'est un beau pourcentage. Ah, c'est Nizzolo, allez Nizzolo! Attention, à 800. Allez, c'est bon, c'est parti. Je lance. Attention, une attaque dans le groupe de tête. Voilà, on a été chercher les points, on a été les chercher. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a Allez, largement augmenté son on est rythme. parti. On va continuer l'échappée. Nouvelle attaque dans le groupe de tête. Certains directeurs sportifs Voilà. ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Nous, on arrive dans les 10 derniers kilomètres, on vient à peine d'être pris. Nos trois Encore compagnons quelques d'échappée mètres à sont là. parcourir. Ils nous ont lâchés Attention, une attaque à dans les l'avant, derniers ça peut kilomètres. aller au bout. Ils ont accéléré le rythme, mais pas moi, parce que franchement,
Ça me servait à avoir 3 à rien de fatiguer jusqu'au bout pour une échappée qui va se faire reprendre juste avant la ligne. Et au moins, je peux toujours essayer de jouer l'étape. Mais évidemment, je vais pas la gagner, mais bon, je pourrais toujours tenter d'aller chercher Nous sommes à 5 km un de petit l'arrivée. top 20, un petit top 10 dans le meilleur des cas. Le peloton réduit l'écart petit à petit. Ouais, peut-être qu'ils vont aller s'imposer en fait, ces idiots. Hein. Peut-être qu'ils vont aller s'imposer. Ouais, non, ça craque pour Bidart. Bidart qui craque, évidemment. Bidart très mauvais. Ah non, Bakart, il ira pas la chercher non plus. Il craque aussi, Bi. Il craquouille aussi. Le Et peloton allez, c'est vient de parti. reprendre les échappées. Le sprint est lancé. Et évidemment, on est beaucoup trop faible. Et on va évidemment rien faire du tout. Magnifique victoire sur ce Victoire sprint de de Bosch. Nizzolo. Ça, c'est très bien, ça. C'est leader qui gagne, c'est nickel. Et on va faire 29e. Ah non, c'est pas du tout notre Nizzolo à nous qui a gagné. Notre Nizzolo, il est 15e. Bon, voilà. Hein. Giacomo Nizzolo de la Kubeka hein, qui remporte cette étape hein, devant Viviani et Bennett. C'est toujours Vatra qui a une seconde le maillot de leader. On obtient le maillot de la montagne. À 3 points de Robet. Viviani remporte le maillot par points. Vetra a le maillot blanc. La BMB est meilleure équipe et nous on n'y est pas. J'aime dire que la Michelle Allier est pas nous. Bon tant pis, voilà. Voilà. Le classement. Premier maillot, allez, 20 points. Ouais, tu vois, oui, vraiment, c'est si nul de prendre de. Tu te fais je sais pas combien de kilomètres en échappée, mais tu prends 8 points, alors que quand t'es équipier, tu prends largement plus. Voilà. Donc on est à la moitié du niveau à peu près, voilà. Du coup, on va se finir cette vidéo sur ça. Du coup, j'espère que cette deuxième vidéo Pro Cycliste vous aura plu. Franchement, moi, ça va. Cette dernière étape rattrape vraiment le GP et la première étape que. J'ai trouvé vraiment moyen. Du coup, vraiment, notre deuxième étape de visage, très content. Très content du résultat. Voilà. Du coup, on se retrouve bientôt pour le troisième épisode de cette carrière pour cycliste. Bye!